Bonjour à tous, voici votre tirage les poissons pour ce mois de mars, le tirage partie 2. Vous avez la partie 1 qui est déjà en ligne ici sur la chaîne. N'hésitez pas à consulter la partie 1 dans la playlist prévue à cet effet et consulter la partie 2 pour avoir un maximum d'informations pour passer un très bon mois de mars. Allez les poissons, je vais vous donner ici les messages complémentaires. Donc avant, je me présente. Je suis Lali, tarologue professionnelle de la chaîne Lali la Tarot du site lalilatarot.com. Ici, vous retrouvez toutes les guidances pour chaque signe astrologique grâce au tarot. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire à mes contacts pour recevoir le tirage offert de l'année 2022. Pardon. Vous avez le lien en dessous de la vidéo pour vous inscrire. Allez, nous commençons tout de suite les poissons pour ce mois de mars. Alors, dans la partie 1, je vous avais dit que votre bonheur était très très important. Hein, votre bonheur spirituel, votre estime de soi, votre confiance en soi était très important. Il y avait vraiment une prise de conscience sur cela. Très importante. Allez, on y va. On a la lune placée en positif. On a le jugement placé en négatif. En vibration, on a la roue de fortune. Et en résultante, on a la mort. Donc il semblerait justement que pour accéder à ce bonheur qui est pour vous une priorité, il va falloir faire un gros travail, c'est-à-dire terminer un cycle, tourner la page, faire table rase de votre passé. Et vous allez véritablement commencer à le faire à partir de ce milieu de mois de mars. Vous allez comprendre que pour justement accéder au bonheur, pour être en totale harmonie, ben, il faut absolument se défaire de certains liens qui sont toxiques. Donc il peut s'agir d'une rupture de schéma de vie, d'une rupture d'anciennes habitudes, d'une rupture avec une personne, une rupture professionnelle pour certains d'entre vous, parce que vous décidez de faire autre chose de votre carrière professionnelle. Et donc ça, c'est véritablement très important pendant ce mois de mars. C'est ça qui va dessiner pour vous un nouveau départ, une nouvelle vie, un renouveau, une renaissance. Donc il y a vraiment de nouvelles perspectives, mais ça va se faire pas sans gros nettoyage et sans faire un gros changement radical dans votre approche de la vie, dans votre manière de faire les choses, dans votre vie. Donc là, on a la lune placée en positif qui parle d'intuition, qui parle aussi de prendre conscience qu'il est temps pour vous, pour accéder à cette renaissance, ben, de couper des liens qui sont pour vous très toxiques, très, très négatifs. Donc ça peut parler avec le jugement en contre, ben, justement d'un manque de changement, ça peut parler de prise de bec, ça peut parler de doute, de doute de soi, mais ça peut parler aussi de douter de certaines personnes, de certaines situations. Il y a comme des prises de bec, des disputes. Voilà, moi j'ai la sensation qu'il y a véritablement un problème là relationnel avec certaines personnes, ou il y a aussi un problème avec soi-même parce que vous reculez toujours en fait l'échéance et vous n'arrivez pas à prendre de décisions importantes pour pouvoir justement passer à autre chose. Donc le jugement en contre peut parler de renouveau, de renaissance qui est pour le moment retardé par quelques blocages, parce que je ressens des blocages hein, pour certains d'entre vous en ce début de mois, mais ça va se débloquer. Il va y avoir comme un déclic, un gros déclic en ce milieu de mois. Donc là, avec le jugement, il y a vraiment ici une nécessité à effectuer des changements, à prendre conscience qu'il est temps pour vous de changer les choses. La roue de fortune en vibration, c'est une période de changement positif qui s'annonce pour vous. Donc c'est très profitable, c'est très bénéfique, c'est très positif finalement, même si ça annonce à la fois des blocages. Donc il y a un gros déclic de votre part pour pouvoir débloquer la situation. Donc la roue, elle va tourner en votre faveur.
À condition que vous preniez conscience qu'il est temps, pendant ce mois de mars, de tourner cette roue et de ne plus rester dans vos blocages et dans vos doutes. Mais je vois que vous allez petit à petit prendre conscience de tout cela pendant ce mois de mars. Pourquoi ? Parce que votre bonheur est important, comme je vous l'ai dit dans la partie 1. C'est très important. Pour accéder à ce bonheur, il faut vraiment vous défaire de tous ces schémas répétitifs, de toute cette énergie négative, toxique autour de vous. Peut-être qu'il faudrait vous éloigner de certaines personnes. Peut-être qu'il faudrait vraiment faire table rase du passé, ne plus ressasser toujours les mêmes choses, mais plutôt vous projeter dans votre avenir. Donc là, c'est un gros déclic avec la roue de fortune. Il y a de nouvelles opportunités pour vous au niveau professionnel. Voilà, moi j'ai la sensation qu'il y a une rupture aussi, il peut s'agir d'une rupture professionnelle pour certains d'entre vous, qui va vous permettre vraiment de passer à autre chose. Donc là, il y a vraiment un nouveau cycle qui se profile pour vous. Mais avant ce nouveau cycle, il y a une rupture. Alors cette rupture, elle peut être plus ou moins douloureuse pour certains d'entre vous, ça dépend du domaine de vie, voyez. Mais il y a quand même un gros nettoyage que vous allez faire pendant ce mois de mars. Très très important ce nettoyage ici avec la mort en résultante, qui annonce bien ce nouveau cycle qui se prépare. Il y a des changements très importants que vous allez faire à la fin de ce mois. Vous allez couper des liens toxiques. Vous allez faire table rase du passé. Vous allez tourner la page. Vous allez faire un grand nettoyage, vous débarrasser de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous encombre et qui vous empêche de vous épanouir, qui vous empêche d'accéder à cette renaissance tant voulue. Donc là, il y a un gros déclic ici, il y a un cycle qui se termine pendant ce mois de mars. Allez, qu'est-ce qu'on a comme premier message ici ? Qu'est-ce que j'ai là? Hop là! Ouh, on a une lame majeure. Hein. Donc le message est très important pour vous, c'est la lune. La lune qui parle d'intuition, qui parle de perspective psychique que vous avez. Et cette perspective, elle se signale par ce déclic que vous allez avoir pendant ce mois de mars. Ce déclic, il est temps de changer votre vie. Je vous lis son message. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs, qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc, je vous ai parlé de doute, de peur. C'est ce que vous allez faire. Vous allez vous affranchir de tout cela. Vous allez tourner cette roue à votre avantage. Vous allez saisir de nouvelles opportunités. Et vous allez pouvoir prendre votre envol parce que vous allez décider que c'est terminé. Vous allez décider de tourner la page. Vous n'allez plus rester coincé, bloqué dans votre passé. Donc un message ici très très fort pour vous, les poissons, qu'est-ce qu'on a ici? Hop là, je ne vais pas le prendre en compte. Allez. Nous avons le 5 d'eau qui parle bien justement de votre état d'esprit. Le fait en fait que vous doutez, le fait que vous n'avez pas confiance en vos capacités, mais que finalement en ce milieu de mois, vous avez ce déclic et vous décidez de tourner cette roue. Je vous lis son message, les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de broutilles. Donc voilà, donc ça c'est votre état émotionnel de ce début de mois. Mais ce qui est rassurant, c'est que vous allez décider de ne plus vous apesantir à propos de broutilles. C'est ce que veut vous dire en fait l'univers. Arrêtez de rester bloqué sur votre passé. Arrêtez de ressasser les souvenirs du passé, ça ne sert à rien. Regardez les côtés positifs
Il y en a toujours, hein, malgré tout. Et vous allez voir que les choses, elles vont se passer comme elles doivent se passer pour vous. Et je le vois ici, vous tournez la page définitivement. C'est un très très beau tirage ici, avec ce gros déclic que vous aurez pendant ce mois de mars. Voilà les poissons, donc j'espère que ce tirage va vraiment vous aider. Merci de votre écoute, de votre fidélité à la chaîne. Vous avez la partie 1, donc n'oubliez pas de la regarder également ici sur la chaîne. Vous pouvez me laisser votre commentaire, me laisser un petit pouce, j'aime. Consultez également les lectures si vous le souhaitez, intuitives, spirituelles et intemporelles. Vous avez le lien en dessous de la vidéo pour en savoir plus. Et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de me consulter en privé. Vous avez le lien de mon site sous la vidéo. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous retrouve très très vite ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.